C'est un style abstrait. Moi, j'adore les symboles africains. Alors, la plupart des tableaux que je fais, il y aura toujours les symboles africains. Toujours l'africanité, je le mets toujours dans mes œuvres. Le message qui est traduit cette œuvre, c'est 1. Nous appeler à aimer la nature, à avoir de la passion pour nos plantes et maintenant profiter de ces fruits que nous donnent généreusement les plantes en retour. D'où le titre « L'abondance au bout de l'effort ». Parce que sans effort, nous ne pouvons aboutir à rien. Le titre de cette toile, je parle de la solidarité. Parce qu'on voit que les personnages, on voit qu'ils sont unis, ils sont bien ensemble. Ces femmes sont contentes d'être ensemble pour un but commun, être ensemble pour faire développer certaines choses dans la communauté. Bon, pour moi, l'art, c'est d'abord un moyen d'expression. Voilà, c'est comme la musique. Voilà, c'est aussi un moyen d'expression. Voilà, avant de chercher à vivre de ça, on cherche d'abord à s'exprimer. Voilà, raconter la réalité de notre pays, faire des choses imaginaires, proposer aux clients et qui peut payer. Donc pour moi, l'art c'est un moyen d'expression. Donc je m'inspire de la musique, je m'inspire du quotidien et comme tout le monde aussi, la vie de Burkina, notre quotidien aussi me parle. Et souvent, j'y réalise des œuvres en fonction de l'actualité. L'inspiration vient de plusieurs choses à la fois. Voilà, parce que j'aime bien la nature. Je regarde comment ça se passe et je regarde autour de moi ce que les gens font, comment les gens réfléchissent. Je suis un artiste autodidacte. Voilà, donc j'ai pas fait de formation en tant que telle, mais j'ai l'aspiration de créer les choses. Bon, être un artiste au Burkina Faso, c'est un combat. C'est un combat, puisque nous avons remarqué que depuis les années 2020, avec l'arrivée du Covid, c'est devenu vraiment un parcours de combattant. Voilà, il n'y a pas assez de ressortissants étrangers qui achètent les œuvres, mais seulement comme c'est une histoire d'amour, on reste accroché. Et c'est pas évident. C'est pas évident de vivre de son travail, surtout au Burkina Faso, où on n'a pas des écoles de beaux-arts, on n'a pas de collectionneurs, on n'a pas de galeries, on n'a pas grand-chose. C'est compliqué. Et ici, avec les toiles sur le mur, c'est comme une galerie à ciel ouvert. Et c'est une manière de valoriser l'art, le travail que nous faisons. Pour moi, ce projet est d'abord une opportunité. Voilà, qu'on donne aux artistes de pouvoir s'exprimer. Donc c'est comme si on est dans un musée ouvert à tout le monde et les gens passent et regardent les œuvres d'art. Moi j'ai beaucoup aimé ce projet. Car si nous nous réunissons autour des murs pour exprimer ce que nous avons, ça fait des connaissances, ça fait des passages d'idées et ça crée de la fraternité. En dehors de ce projet mur contre mur, comme on le dit, c'est un lien qui se tisse. C'est une famille qui se crée. Ça traduit aussi la passion que nous avons pour ce métier. Voilà, sans passion, on ne peut rien faire de grand. Voilà, sans passion, on ne peut pas aussi s'engager en tant qu'artiste peintre. Parce que ce n'est pas facile de vivre de la peinture dans un pays voilà, en difficulté comme le nôtre. On ne lâche pas, on continue, on persévère jusqu'à ce que ça donne.